parce qu'il n'arrive pas avec Lucina. Ouais. Là, il a pris le match-up, il s'est rendu compte que Lucina c'est très fort contre Ridley. Une confiance de fou sur Lucina. Et j'avais top 8. Et du coup, il a top 8, ouais, j'ai un peu parce que formidable. J'ai fait demi sin pool à la fin, mais bon, c'est pas grave. Quand tu fais 9ème. Quand tu fais 9ème, on y revient. On a ce, mais bon, ce set. Ces gens-là, ils n'ont pas fait 9ème. C'est pour tout te dis. Ils ont été bien meilleurs. Ils sont très très chauds, les petits bougres. Évidemment. Le barbe Ganymede, Snake contre Mario sur PS2, c'est parti. Alors ça va s'envoyer sa cuisine, hein, parce que ouais. Snake, personnage un peu bizarre, polarisant, si j'ose dire. Ouais. Tout à fait. Et Volt nous en dira des nouvelles, le pauvre. Ah oui, j'ai pu partager mon seum avec lui tout à l'heure. Ah vraiment, j'en pouvais plus, et je le comprends. Mais Ganymede, lui, il en a rien à foutre. Il fait ses combos, mais PS2, mais PS2, on pourrait croire. Oui, c'est le pic de confort de Snake, il se met bien dessus, Rhubarb il est content. Mais non, PS2, c'est le royaume de Ganymede. Mais non, mais il les fait gens... tous ses extends, tous ses meilleurs combos, il les fait sur PS2, c'est un truc de malade. Mais les gens disent, PS2 c'est even, enfin c'est genre la map la plus neutre, et le plafond ultra bas, c'est genre, je crois qu'il me semble c'est le plafond le plus bas de la stagiste. Genre, ou alors c'est un des plus bas, genre... Avec... bah non, il n'y a pas une Corrie, donc oui. Oh, mais il a assassiné. Enfin bon. C'est... Ah là là. Les Ganymede. Les Ganymede, trop chaud, là, il le met en ledge rap. Rupert, qui n'arrive pas à respirer. Heureusement, cette belle roll-out pour venir récupérer le stage control. Et là, on est dans le royaume de Snake, le neutral. On va pouvoir mettre ses petits setups et se FT directement. On va passer la Nikita et le mortier. Il s'en sort très très bien sur ce coup-ci, Ganymede. Il se faufile son petit plombier en costume de mariage. Ça c'est compliqué, hein. Attends, t'es sur Reviver Stop, smash. Mais c'est safe, hein, Mario, t'as pas le droit de jouer contre lui. Ah bon. Snake, il a une bonne frame data au corps à corps, t'as envie de faire la bagarre. Et contre Mario, t'as pas le droit. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait se downer sur la plateforme. Extrêmement bien vu. Ouais, heureusement qu'on était pas plus haut pourcent. Je pense que c'était une grenade, parce que le C4 est tué. Oui. Mais oui. Oh, joli up tilt, on a vu que Ganymede avait bien joué dans les airs. Approché par les airs, on a bien up tilt, mais c'est quand même 133% sur la deuxième stock de ce Snake. Ouais. C'est très compliqué d'ailleurs, on a la barre de tâche qui s'affiche sur le stream. Après, je sais pas avoir un clic. Ah, c'est normal. Ah non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci la régie. Est-ce que, d'ailleurs, là on voit le charger, est-ce que Ganymede va pouvoir se servir du flood contre la recovery de Snake? J'ai hâte de voir les interactions qu'il va proposer. Ça devrait marcher a priori. Stop smash en sortie. Je sais pas comment ça interagit les deux. Après, comment... je crois que la cape elle peut être meurtrière. Vraiment, ça peut, voilà, vraiment faire des dingueries. La pression que met Ganymede sur le shield. Donc il y a du mal à respirer. On joue bien avec le timing, on a cook la grenade. Ici ça explose dans tous les sens et Snake qui profite bien de ce genre d'interaction. Et il va falloir qu'il crasse davantage plus fort que ça. Parce qu'apprendre des trades, apprendre des pourcents, bah, c'est tout bénef pour Ganymede finalement. Ouais. Et bah oui, surtout si on a l'habitude de... pour combo en plus. On a l'habitude de dire que Snake c'est worse dans ses trades à la grenade, puisque c'est très lourd. Ouais. Mais au final, quand il a une stop de retard, bah, ça l'est absolument pas. Ah et là, la phase d'edge, attention, non, on trouvera une belle Rico hot et un très joli neutral air dodge pour sortir cette situation. Oh, la cape. Ça va vraiment être un tenant du match-up, les façons de mix-up la recovery de Rhubarb. Bah, Mario, il peut tout catch en fait. Il peut aller dans les coins de la map. Oui, attention, on va pouvoir faire quelque chose ici contre ce Cypher. Pas vraiment, on va se retrouver dans une situation d'edge trap qui est limitée par le C4, mais on trouve quand même un magnifique up smash pour couvrir cette neutral get-up. Et oui, évidemment, on l'a vu. C'est bien vu. C'est bien vu. Hein. C'est parfaitement exécuté le ledge trap de Ganymede qui était parfait. On a vu Rhubarb faire beaucoup cette tricot into air dodge. La patience était magnifique de la part de Ganymede. On l'a noté dans un coin de sa tête. On l'a sorti au bon moment quand c'était clutch. Magnifique. Oui, Rhubarb qui devait s'attendre à un peu de plus, hein, mais. À consommer avec modération, évidemment. Évidemment. Consommer au bar, faites vivre le bar, mais, mais faites-vous vivre aussi. Hein, avec modération, attention. Et l'alcool est interdit aux mineurs, évidemment. Ouais. Exactement. En tout cas, il met magistral sur cette première stock. Ouais. Et Rhubarb va devoir y réfléchir à deux fois, parce que PS2, comme on le disait, c'est censé être le pic de confort, mais là, pas évident. Ben ouais, hein. Et on choisit de repartir sur PS2 du côté de Rhubarb, on y croit, ce PS2. On n'en démord pas, alors est-ce que ce sera un de ces fameux sets où on va jouer uniquement sur PS2? Ça a l'air de se profiler comme ça. Bah, il y a 6 Smash Bros Ultimate. On va voir si on va pouvoir s'adapter à la particularité de ce match-up et à comment ça se déroule ici, ce premier back-air. Vraiment, Snake qui s'étend de tout son long et l'hitbox est partout en fait. Donc, vraiment, c'est assez rigolo. L'hitbox est partout et pendant approximativement 28 ans. Ouais, c'est ça. C'est chez Snake, résumé. Résumé de Snake. Bon, là on trouve ce joli gravel, là c'est le combo starter sur PS2. Oh, on a raté son saut. Follow avec Snare, oh non, mais dommage, on a raté. Dans le mauvais sens. Cette shop pour Snake, mais qui n'a pas à grand chose. Alors qu'il a du mal à concrétiser un peu sur le pitch qu'il trouve sur Mario. Oh,
Oh oui. Il se sert si bien de cette backthrow. Ça, forcément, le match-up il l'a potassé. Vous connaissez ce genre de choses. La backthrow dans la grenade qui mène derrière avec un donner. C'est intéressant. C'est très bien vu de la part de Ganymede, en belle réaction. Mais là, ouh, les deux grabs. Hein. Oh, dommage. On avait la ride du côté de Rubert, mais on a manqué d'exécution. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu faire beaucoup de dégâts dans ce match qui tabasse. C'est bon. Bien vrai. On est reparti en neutral et là, Ganymede qui s'y risque pas trop. Hein. Et évidemment, on a voulu approcher Mario par les airs alors qu'il était de dos. Et non, c'est mal, faut pas faire ça. Ouais, le nerf en landing qui est un peu greedy. De façon générale, les air rolls de Snake, pas trop. Concrétiser sur davantage, mais pas pour jouer le neutral. C'est vrai. Et là, Ganymede, il joue comme Yata dans le set précédent. Fireball. C'est un peu. Ça marche bien contre ces personnages à setup. C'est ça. Ça embête un peu les gens. On s'était un peu oublié du côté de Ganymede. Ouais. On s'est fait choper par la C4. Sous la plateforme. Ouais. Position idéale. C'est vrai. Il faut, quand vous jouez contre Snake, en manière générale, il faut toujours avoir un œil sur la C4. Toujours retenir, noter dans un coin de sa tête où elle est. Ouais. Parce que le Snake, lui, vous inquiétez pas qu'il le note. Ah oui, c'est. La chose qu'il faut savoir faire avec le personnage, donc pas de concrétiser dessus ce dommage qui était un peu aventureux. On se retrouve off stage, on parie sur le fer, excellent punish. Le C4, ah non, j'ai cru qu'elle était collée, ouais. Moi aussi. Ouais. Franchement, c'est dommage, c'était pas loin. Après, il est sur la plateforme, c'est quand même intéressant. Il va peut-être pouvoir couvrir ici. Voilà, Ganymede qui ne s'y attendait pas, et la game est even. Mais oui, even, mais on a quand même un avantage positionnel totalement reverse par Rubarbe qui trouve de très jolis rolling depuis le début et on empêche Ganymede de recover comme il le veut grâce à cette Nikita. Outil très fort de la part de Snake. On revient. La peur est imposée. C'est ça, on revient sur son neutral mais avec une stock d'avance pour Rubarbe. Ici Ganymede qui va devoir trouver la stock au moyen d'une edgeguard peut-être ou alors avec son ledge trap kill chéritant. Il va falloir trouver un up smash ou situation favorable. Le plus tôt possible avant que Snake gratte, parce qu'ici c'est lui qui a le lead. Et là, par contre, tous les trades de grenades, toutes les explosions qu'on peut trouver, on les prend, on les achète. Et on serait très content du côté de Rubarbe de gratter sur cette stock. On finit pas. Oh, oui, j'allais le dire. Très très bien, une belle réaction de la part de Ganymede. Ouais, le dernier qui a été cancel par la grenade, c'est pas suffisant pour stopper ce Mario. Il connaît les tenants et les aboutissants du match-up. C'est vrai qu'il a l'air en maîtrise hein, dans cet affrontement contre ce Snake, contre Rubarbe. Il est pas en reste, notre Rubarbe national. Ah non, les pour l'instant, il s'en sort très bien. Le dernier out of shield qui connecte pas, fort malheureusement. Ici, ça peut être la game de n'importe qui finalement, parce qu'on connaît les combos dévastateurs. Mais oui, c'est raté sur ce sweet spot malheureusement. C'est extrêmement dommage. Et la game, c'est reverse en un rien de temps ici. Les pourcentages qui sont largement en faveur de Ganymede, et là la moindre conversion peut être fatale pour Rubarbe. Ah, c'est Mario, hein. Il suffit d'une seule phase pour trouver Mani. Oui. Oh là là, ça, tu peux pour trouver facilement quelques pourcentages là, le up smash qui n'a pas tué le back air. La diag était peut-être questionnable. Ouais. Je pense qu'on a essayé de drift vers la droite et qu'on s'est fait surprendre par ce back air. Ouais, c'est assez dommage parce que le jeu a zoomé sur le up smash qui tue pas et il a pas zoomé sur le back air qui tue. Une belle présence d'esprit de la part de Ganymede qui a été. Il a tout couvert. Voilà, qui a gardé son calme dans cette game malgré l'avance de Rubarbe. Ouais. On voit un smash très joli, hein. On danse un peu pour faire prendre une option de panique. Oui. Et là, oh là là. Tu vois, on a vu le trait bleu. Sur le pool de la grenade. On a vu le trait bleu qui partait vers là. Le fameux trait bleu. Et on repart sur PS2 de nouveau de la part de Rubarbe. Après, il a quand même pu exécuter son plan de jeu sur ce map. Ouais. Il s'en est bien sorti pendant longtemps. Être une sorte d'adaptation entre les joueurs. Et bon, la map, c'est à y être habitué. Et ici, est-ce que Rubarbe va pouvoir reverse le set? Tu sais qu'il en est capable, hein. Il a un mental d'acier et il peut gagner dans n'importe quelle situation. Et Ganymede qui a quand même un lead conséquent dans cette winner semi qui va juste faire la bagarre. Hein. C'est ça, hein, il commence direct. Oh dommage, à partir de Nostro on peut pas vraiment avoir ce combo si on dit correctement du côté de Snake. Mais bon, c'est tout de même 79% de trouver d'entrée de jeu dans cette winner semi-finale de 7, on le rappelle. Enfin, deux matchs d'avance pour Ganymede. Oh, joli nerf là par contre pour venir mettre une pression phénoménale, mais les jolis dash attaques. En réponse, hein, les deux joueurs qui se rendent coup pour coup. Hein. Ouais, Ganymede qui est un peu acculé au coin pour le moment. Il était un peu impatient sur ce coup-là. Oula. Il y a une hitbox genre sur le lanceur de la Nikita. Non, en gros, il a clank avec la. Oh, mais ça, joli. C'est assez bizarre. Il a clank avec la Nikita elle-même. D'accord. Bah, c'est assez étonnant. En tout cas, Rubarbe qui trouve rapidement cette stock, l'air de rien. Ganymede, pardon. Oui, Ganymede qui trouve cette première stock, qui va pouvoir concrétiser peut-être sur des combos afin de gratter un peu. Est-ce qu'avec la rage, on va pouvoir trouver quelque chose de custy? Ça tue! Oh non, la DI! On s'attendait au B et on a DI. C'est totalement ça. Non, in! Attends. Pas bien. Pas bien, on n'a pas de DI. Du côté de Rubarbe. C'était pas bien.
Ici, le coup mental doit être énorme. Voilà, là, on a tenté une espèce de douillasse à base de cap. Bah si, si on avait forcé l'air dodge de Rhubarb, ça aurait pu être dévastateur ici. Hein. Mais bon, de toute façon, Ganymede, il est dans le lead, il est en confiance, il peut tenter tout ce qu'il veut. Le 7 est à portée de main. Oh, mais oui. Bien vu. Là, c'est 4. Une nouvelle fois. Ganymede qui s'endort un peu sur cette position. Et bon, c'est pas très grave, hein, en somme, puisqu'on a tout de même une stock complète d'avance. Et là, le jab block, F-smash, est-ce que c'est la mort? Et voilà. Mais non, oui. Évidemment, Snake, c'est extrêmement lourd, un des persos les plus lourds du jeu. Aïe, aïe, aïe. Et là, eh ben, du coup, c'est Rhubarb qui va pouvoir mettre en place une phase d'avantage. Dommage, on avait trouvé ce grab. Ouais. Mais bon, on va quand même réussir à récupérer un semblant de neutral grâce à ce joli F-Tilt. Si, ça va être compliqué de rebuilder son avantage. Hein. Je ne vois pas trop d'échappatoire pour Rhubarb ici. Alors qu'il trouve vraiment des phases de qualité. Peut-être des spikes offerts. On n'en a pas encore vu, hein, mais ça peut prendre des stocks de façon très prématurée. Mais ici, pourtant, les damages qui montent. Le derrière, cette fois-ci, qui ne sera pas suffisant pour tuer. Il est peut-être un peu mieux DI qu'à la stock précédente. On va donc avec la grenade. Est-ce qu'on trouve un follow pont couvre avec le mortier? Le grab, cette fois-ci, attention, qui est raté. Max celui de Ganymede. Ça ne tuera toujours pas Snake, qui est très très lourd. Ouais. Et là, flood, peut-être. Non, attention. Oh, on a voulu faire ce. Et le petit en ledge trap. Là, Rhubarb qui use de toute sa rage pour essayer de proposer ce comeback. Là, tout est possible. Hein. On trouve c'est la possible, conversion. Attention. Grenade sur le nerf, suivi de la dash attack. Les pourcents qui grimpent en flèche. Il va falloir que Rhubarb se sorte de cette situation. Mais tout est possible pour le joueur de Snake. Oh, le pari. Et non, backer, évidemment. Le backer vient clore le set. Et vraiment, on y a cru l'espace d'un instant. J'ai partir vers 30-45. Mais je peux partir du cast avant, je m'en fiche.